Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Saint Joe Coloriage. Aujourd'hui, je suis là pour le Color and Chat numéro 113. Désolée si ça a été un petit peu plus long entre les Color and Chat. Je voulais filmer semaine passée, mais ça n'a pas donné. Mais là, je voulais absolument filmer une. Ça fait, je vais checker, 2 semaines depuis que j'ai filmé une. Ok, là, je vais colorier dans Rising de Coronia Kubrakowska. Je suis en train de faire une colo. Celui-là. Je vais te montrer de même parce que là, je vais rapprocher. On va faire les fleurs. Je suis en train de les faire avec mes Intense. Le colo est fait au Intense et Albrecht Dürer. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'ai aimé ça. J'aime beaucoup ça. J'avais oublié à quel point que j'aimais ça. J'ai pris mon Derwent Waterbrush, mais là j'en ai acheté une plus grosse, fait que ça va beaucoup mieux. J'ai mon houppette dans mon linge tout ça, mais les houppettes, il est là. Fait que je mets ça de côté. Et les couleurs que je prends, c'est dans l'Intense, le Shiraz 0600 et le Dusky Purple 0730. On va parler de ça. Je me souviens pas tout ce que j'ai dit dans le dernier color chat. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Puis, je pense que... Je vais-tu mettre un clip? Non, je pense que je vais juste passer un couple de feuilles de papier. Voir si je peux pas ça. Non, il va tasser. Autant un couple de couches, ça devrait bien aller après ça. Ok. Fait que là, moi, dans le fond, je colore beaucoup de mystères ces derniers temps. Je suis sur le point de coller. Excusez, je suis rouillée. Je suis sur le point de filmer mes colos terminés du mois de octobre parce que je pense pas de finir beaucoup de colos. D'ici à la fin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en ce moment-là, je suis en train de faire une double page dans les Schtroumpfs. J'ai tout fait le noir. J'ai fait les traces noires, puis j'ai commencé à remplir avec mes marqueurs acryliques. J'ai pas fini de faire... j'ai fait pas avec mes carreaux parce que là, je suis en train de tout faire mes nuanciers comme ça. Parce qu'on peut passer sur les trous de Mister. Je vais vous montrer un exemple. Tu vois, je peux regarder pour voir, tu sais, ah non, lui, il ne fit pas, mais il est similaire, mais il est trop foncé. Fait que là, je vais chercher jusqu'à temps que je trouve la couleur qui convient. C'est comme ça. Il est très similaire, mais pas tout à fait. Fait que tu sais, tu peux vraiment, mais là, ça a l'air identique, là, en caméra, mais ça rend ça plus facile de choisir tes couleurs dans les mystères. Mais non seulement l'usage n'est pas juste pour les mystères. Ça peut servir aussi pour, mettons, tu veux faire les contours des lignes avec tes Posca. Tu passes ça par-dessus ton livre de colo. Puis, tu peux trouver la couleur exacte, mettons, parce que tu veux la couleur exacte. On va monter ça. Mettre ça à bonne façon. Ça va pas long. OK. On y va comme ça. On va rapprocher. OK. Fait que c'est ça. Là, j'ai fini de plastifier aussi mes palettes de couleurs. Fait que ça, j'ai hâte de tester ça aussi. Alors, je vais juste faire le petit bail à côté. Fait que ça, j'avais tout fini de plastifier. Ça m'a donné au-dessus 700 palettes de couleurs. Merci encore à mon ami Marjo qui m'avait tout imprimé ça. C'est vraiment... Tu vas voir, je vais faire des mandalas avec... Ça va être le fun. Fait que c'est ça. Pourquoi je pense pas de finir bien les colos d'ici à la 31? C'est parce que demain, je m'en vais me faire vacciner pour l'influenza et peut-être la COVID. J'en ai discuté avec mon mari, puis je sais pas si j'avais mentionné le dernier color chat, mais lui et mon fils a eu COVID. Moi, je l'ai pas eu. Mais depuis que j'ai eu la première fois où ce que mon odorat a été altéré et tout, j'ai toujours eu le COVID dans les espaces
de quelques mois. Tu sais, j'ai jamais passé un an sans COVID. Sauf là, je pense que ça fait plus qu'un an. Puis là, j'en ai discuté avec mon mari, parce que je ne faisais plus vacciner, parce que la dernière fois j'ai eu ma troisième vaccin, j'étais très malade. J'avais mon bras qui me faisait hyper mal, comme s'il était pour tomber. Je pensais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour ça. Finalement, ça c'était le samedi. Le dimanche, ça avait arrêté, mais j'ai commencé un fièvre de 103. Puis ça, ça a duré 3 jours comme ça. Fait que là, j'ai jamais fait revacciner parce que j'ai toujours eu des COVID, tu sais. Fait que là, on discutait, moi puis mon mari. Puis là, moi, la première fois que j'ai eu COVID, sans vaccin, sans anticorps, à rien, j'étais très malade. J'étais malade pendant 2 mois. Misère à respirer, misère à parler. C'était l'enfer. J'ai passé un bon 6 mois avant que ça soit tout parti. J'ai toujours misère à goûter certains aliments. Ça goûte pas pareil. Mon odorat est toujours altéré. Puis là, ça fait 4 ans de ça. Fait que là, j'ai demandé à mon mari son opinion. Puis lui, il pense que, vu que moi, ça a été très pénible à guérir de le premier shot, quand il y avait juste le COVID, il pense que je serais mieux à me faire vacciner contre le COVID pareil, même si je risque d'avoir 3-4 jours d'être magané, peut-être que je vais être chanceux puis ça ne m'affectera pas autant. Mais il tient pareil que j'aime mieux dire que ça va faire ça, d'être prêt pour ça, qu'être dessus. Mais tu sais, mes 3 vaccins étaient du Pfizer. J'ai jamais eu. Je pense que les pharmacies, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont, c'est du Moderna. J'ai aucune idée. Mais c'est ça. Fait qu'il est venu à la conclusion que quand je vais faire mon vaccin contre la grippe, que ce serait une bonne idée de faire mon mon vaccin contre le COVID aussi. Puis je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui se fait vacciner, puis ça c'est correct. Mais moi, vu que j'ai une maladie pulmonaire, ça prend pas beaucoup que je peux ramasser à l'hôpital. Comme là, une année, j'ai décidé que je ne faisais pas mon vaccin contre l'influenza. J'ai pogné l'influenza. Puis, j'étais à l'hôpital 2 jours après. Où ce que mon fils puis mon mari, ils sont étirés, pas de problème. Fait que c'est pour ça que moi, à tous les ans, j'y vais faire ça. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision que ça serait bien si j'y vais me faire vacciner. Grosso modo. Contre le COVID. Fait que je m'attends à être malade. Fait que j'en profite pour finir aujourd'hui. On est lundi le 28 octobre. Puis je veux la partager, colorier un petit peu avec vous autres. Ça faisait longtemps. J'avais une amie qui était supposée venir aujourd'hui, mais elle sent pas bien. Fait que peut-être demain, si elle va mieux. J'espère que oui. Mon amie Chantal m'avait envoyé un cadeau pour mon anniversaire. C'est 2 livres de mystère, Disney. Je suis trop gâtée. Puis là, elle m'a dit que j'ai d'autres choses qui s'en viennent. J'ai aucune idée c'est quoi. Ma fête, c'est le 12 novembre, pour ceux qui ne savent pas. Puis je vais avoir 46. Ma soeur vient d'avoir 43. Moi, je vais avoir 46. Fait que l'âge avance. Ah, pas de choix, hein? Une autre année de passer, mais j'aime pas ma fête. Ça m'a jamais dérangé avant parce que c'était toujours mon père était pour m'appeler puis me chanter ma chanson de fête puis tout. Puis depuis qu'il est parti, on dirait je veux pas ma fête. Mais, tu sais, je suis encore là. J'ai ma famille qui m'aime beaucoup. Fait que, tu sais, faut que j'arrête de laisser tout me déranger. Et c'est dur. Tu sais, des fois, c'est vraiment dur à pas laisser tes émotions te prendre là-dessus. Puis c'est très dur. Parce que c'était ça, la journée de l'année, je savais que mes parents m'appelaient assurément 100%. J'avais une belle jasette. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça.
Puis avant que tu te dises, c'est pas niaiseux, des émotions des gens, c'est jamais niaiseux, je sais, OK? Mais qu'est-ce que je trouve niaiseux, c'est que ça m'affecte à ce point-là que... Tu sais, je dis à mon mari que j'ai pas envie de fêter ma fête, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression des fois que je me sens folle. Je sais pas comment d'autre l'expliquer. C'est comme... C'est une sensation de sentir impuissant face à une situation que tu voudrais changer, mais que t'es impuissant à le faire, tu sais. C'est que mes crises d'anxiété sont de retour à pleine grille. Je sais pas si c'est parce qu'on approche les fêtes. J'ai aucune idée. Mais j'ai décidé que je laisse pas ça me contrôler ma vie. Je vais tourner le livre parce que j'aimerais faire le côté. Puis ça va pas bien. Fait que on va faire ça comme ça. OK. On va rapprocher un petit peu plus peut-être. Tiens. OK. On va quoi là? OK. On le voit. Fait que c'est ça. J'ai décidé que... Je ne laissais pas ça contrôler ma vie. Même si c'est pas évident. C'est dur à survivre à l'anxiété. Mais qu'est-ce qui est plus dur? C'est de combattre. Puis dire non, je laisse pas ça me stopper. Puis c'est ça que je fais. Puis j'avais hâte de filmer parce que j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, de voir qu'est-ce que vous coloriez. Tout ça. As-tu vu la bande-annonce pour le live de Zazu? Elle est vraiment bien son bande. Je capote. Quand j'ai vu ça, là, oh my god. C'est vraiment digne d'un film d'horreur, une bande-annonce comme ça, là. J'ai hâte de voir son live, ça va être vraiment le fun. Voir tous vos colos pour ceux qui ont participé à Fear Challenge. Ça va être vraiment de quoi super fun, je pense. Puis super bien. Ah, oh, j'ai hâte. Ça va être le fun. Même si je file pas, je vais essayer de regarder le live. Même si je parle pas, je sais pas. Je promets à rien, comme je vous dis. Je sais pas, je vais être en quel état. Au moins, je suis pas à la maison tout seul. Tu sais, mon gars, il est en vacances cette semaine. Fait que ça, c'est fun. Parce que, tu sais, si je file vraiment pas, mais je suis pas tout seul. J'ai pas besoin d'être inquiète si quelque chose m'arrive. Mon gars, il est là pour guetter son maman. Puis là, nous autres, on est supposé de jouer un jeu. C'est une espèce d'histoire, tu sais, dont vous êtes les héros, mais sur ordinateur, si j'ai bien compris. Puis c'est une histoire d'horreur. Fait que je pense que ça risque d'être super fun. Fait qu'on est supposé de le faire ensemble. Lui, il a déjà joué, mais il aimerait venir. Tu sais, il a dit, on va le faire sur ton ordi, puis je vais m'asseoir à côté. Puis on va... j'ai hâte de voir comment tu vas faire les réponses, tu sais. Fait que moi, je pense que ça va être vraiment quelque chose de fun à faire avec lui. Ça faisait longtemps, j'avais pas sorti mes intenses, là. Puis mes brèches, puis sérieux, là. J'ai tellement du fun avec, là. Je me demande pourquoi je les ai pas sortis en si longtemps que ça. Mais là, je suis vraiment dans le passe, Mister à côté. J'en aurais jamais assez. Là, j'ai décidé que je vais peut-être... Mais pas peut-être. Je vais essayer de me ramasser doucement les kits des Tous les Arts. Extra fin. Parce que ça va bien pour les détaillés. J'en ai fait un mystère, là. Dans le tombeau, c'est grosse double page. Pour le monde qui a Insta, il doit l'avoir vu. Ça m'a pris 4 jours. C'était super détaillé, super petit. Puis je me suis dit, aïe, aïe, là, tu sais, il manquait des couleurs. J'ai fait le mieux que je pouvais. Mais c'est là, j'ai dit, garde, t'en as plein comme ça. T'aimes faire ça. T'en as 2 autres qui s'en viennent. Tu sais, peut-être c'est temps de t'équiper comme ça. Fait que là, je regarde ça. Je pense que, qu'est-ce que je vais faire? Là, je les ai mis sur mon liste de souhaits pour pas racheter les affaires en double des affaires. Mais qu'est-ce que je pense que je vais faire? C'est que je vais acheter un kit ici par là. J'ai demandé à Eric de m'en prendre pour ma fête. Puis, je vais demander ça pour Noël. Parce que, tu sais, je vais aller doucement. Mais j'espère juste qu'ils vont toffer, tu sais. C'est ça que j'ai peur, c'est qu'ils passent vite. Là, je veux refaire mon nuancier avec des trous de mes calos 520. Fait que là, ça, c'est mon prochain gros projet, c'est faire ça. Parce qu'il va bien avec Mister, puis je veux refaire ça. Mais pour faire ça, je veux arranger mon nuancier avant.
Fait que ça va être le fun. J'ai envoyé mes colos de Fear Challenge à Zazu. Il y en a que je pensais pas ça marcherait, mais elle m'a tout dit qu'est-ce que j'ai envoyé, c'était correct. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis en plus, à part d'en faire une pour Noël, ça va être fun. Le Santa Claus, je pense, challenge à l'appel. Je suis pas sûre. J'ai hâte qu'il a fait son vidéo, qu'on voit c'est quoi, là. Je sais pas si je vais participer. J'ai pas beaucoup de livres de Noël, mais j'en ai quelques-uns. Fait que peut-être j'en ferai un couple. Ça va être vraiment le fun. Il fait beaucoup de fun d'activités, elle, sur sa chaîne. Mais moi, je pense que je vais peut-être commencer à filmer en une vidéo par semaine. Peut-être. Je garantis rien. Je sais que je pense, s'il y a de l'intérêt, je pense qu'il va en avoir, que je fais une vidéo sur tous les mystères que j'ai et tous les colos que j'ai fait dedans. J'ai mentionné à Zazu ça, puis elle m'a dit qu'elle a la hâte de voir ça. Fait que j'attends juste. Parce que là, j'ai une réception de l'Erica de deux nouveaux mystères. J'ai commandé saison et en famille. Et au début du mois prochain, je vais me commander Love Stories et Looney Tunes Tome 3. Fait que c'est ça que j'attends ça. Puis après ça, je checkerai. Mais tu vas voir, j'en ai fait, je pense. Mais que je filme, là, ma panier de colos terminé, il est plein. Je pense que j'ai au moins 15 mystères de fait. Puis là, c'est je sais pas pourquoi, là, ça me fait tellement plaisir. Tu vois, es-tu clair? Ou c'est tout flou? On va essayer de voir, j'ai l'impression que c'est pas bien. C'est pas. Attends. My God, j'ai fait tout ça 20 minutes quasiment, puis c'était pas clair. Je suis vraiment désolée. Fait qu'on va essayer de continuer ça, là. Vraiment désolée. Tu vois, t'arrêtes de filmer un super, tu deviens rouillé, puis là, après ça, tu ne souviens plus comment faire. C'est vraiment, je suis désolée, là. Et là, c'est ça. Là, je suis à côté solide, Mister. Mais Zazu, même si j'ai ri, parce que j'en ai discuté à quel point que j'ai du fun avec ça, puis, tu sais, on parle quand même, on est des amis. Puis, elle m'a même suggéré de, tu sais, que je peux faire une chaîne sur la Mister. Plein de monde l'a fait, vu que je suis bien passionnée. J'ai dit peut-être, mais moi, le problème, c'est quand je fais mes mystères, je suis obligée de les faire à loup. Puis, je sais pas comment ça marcherait à loup comme ça. C'est pour ça que je me demande si ça marcherait. Mais, tu sais, je sais pas. Je suis bien à pas sentir aucun stress, à m'amuser. C'est vraiment le fun. Puis je voulais dire aussi, j'apprécie tous vos commentaires que vous avez mis sur le dernier Color Chat. Merci beaucoup. Puis c'était fun. Oh oui, pas fin de semaine qu'on vient de passer, mais l'autre d'avant. Vu que ça fait deux semaines, vous ne savez pas. Mais j'ai sorti avec Eric au Dollarama. Ouais. J'ai amené ma chaise roulante, ça a super bien été. J'ai pu flâner. J'ai acheté un petit peu du scotch tape, puis je pense que j'ai acheté un planche, tu sais, anti-coupe, là. Mais c'était juste tellement le fun de sortir. On était chez Bureau en gros, on était à plusieurs places. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, tu sais. Je marche, mais quand je suis trop fatiguée, je m'assieds, puis Eric est capable de me pousser. C'est plus facile pour lui aussi que attendre après moi, c'est avec ma marchette. Pas que ça y dérange, hein, ça y dérange vraiment pas. Mais, tu sais, c'est plus compliqué. Parce que si je deviens trop fatigué avec une marchette, je suis quand même obligé de marcher, là, tu sais. Un déambulateur, excuse-moi. J'y pense pas.
C'est moi, je l'appelle un marchotte, mais le vrai nom, c'est déambulateur. Merci à celui qui m'a montré le vrai nom. Je ne me souviens pas c'est qui, mais c'est un de mes abonnés. J'aime ça, apprendre des nouvelles choses. Fait que c'est ça, j'ai pu sortir. C'était vraiment plaisant, là. Là, je pense qu'on est avide d'y aller chez Walmart à un moment donné. J'aimerais ça. Fait que je sais pas, ça me permet de sortir un petit peu plus. C'est fun, ça. J'étais tout content. C'est sûr, c'est gênant. J'ai l'impression que plein de monde me regarde, mais c'est pas vrai. Je sais que c'est dans mon mental à moi. Mais c'est quelque chose que faut que je rende à l'évidence que ça va me prendre des années d'être capable de prendre des marches moi-même. Puis que si je veux avoir des sorties et des choses que j'ai pas de choix de dire, garde, t'es capable de sortir avec ça. Puis le monde qui te regarde, c'est leur problème, c'est pas la tienne. Tu sais, t'es capable de sortir, faire qu'est-ce que tu veux avec, tu sais, en sortant avec votre mari. Fait que laisse faire le autres monde. C'est ça faut que je me dis. Puis c'est ça faut que mon cerveau comprenne, tu sais. Mais c'est pas évident des fois, là. Notre cerveau, il joue contre nous autres. Comme j'ai. Cette journée-là, j'ai passé proche de dire, ah oh non, j'irai pas. Trop inquiète. Le monde va me regarder. Puis finalement, on a décidé, on est sorti. Puis j'ai eu tellement de plaisir. Fait que des fois, tu sais, faut qu'on se pousse puis on fait quelque chose qu'on sent pas à l'aise. C'est ça que j'avais fait. Puis vraiment, là, c'était fun. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'étais super content. Puis je suis content que je peux partager ça avec vous autres, là, vraiment, là. J'avais hâte d'essayer ma chaise puis vous donner des nouvelles. Puis ça a marché. C'est vraiment... C'est pas une chaise roulante comme telle, ça, on appelle ça une chaise transport parce qu'il n'y a pas les grosses roues que je peux me pousser moi-même, tu sais. Mais ça, c'est facile à rentrer puis sortir de la chambre comparé à ma marchette. Puis c'était vraiment un plaisir de savoir que je pouvais sortir comme ça, juste mon bon mari. Pas sentir comme la grosse douleur immense dans mon dos, puis il faut dépêcher pour retourner au auto. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti sans crainte, là. Fait que c'était tellement de fun. Fait que là, j'ai dit, prochaine place, j'aimerais aller à part de Walmart, c'est Bureau Citation Pro, on en a une en ville. Puis apparemment, des fois, ils vendent des livres coloriage mystère, fait que j'aimerais aller voir ça. Je sais pas, il me semble que ce serait fun, tu sais. Parce que la dernière fois que j'avais été, ça fait 3 ans, 2 ans et demi, quelque chose de même. Mais assez longtemps, mon père était vivant. C'est au moins au-dessus d'un an. Je pense que c'est 2 ans. 2021, peut-être. Puis, j'avais pas amené ma marchette parce que je pensais que j'aurais été capable. Puis, les livres de colo sont complètement dans le fond. J'essaie de voir si tu vas voir qu'est-ce que je veux colorier après. Un peu. Passer. Fait que là, les livres de colo sont dans le fond. Puis par le temps que j'ai arrivé au bout, j'étais épuisée. C'était vraiment beaucoup pour moi faire ça. Puis là, mais je me suis mis à pas sentir bien. Par le temps qu'on est sorti de là, mes jambes m'ont failli céder. J'étais vraiment pas bien. Fait que là, mais j'avais jamais retourné à cause de ça. Parce que je me suis dit, garde, si tes jambes cèdent, là, t'es mal pris. Fait que là, depuis ce temps-là, j'avais jamais retourné. Eric y allait pour moi, puis moi, j'attendais dans l'auto. Fait que j'avais peur que quelque chose m'arrive. Fait que là, c'est quelque chose que il est sur mon liste que j'aimerais essayer de faire. Fait que ça va être cool.
4, je sais pas, parce qu'Éric, il est chargé. Tu sais, il y a beaucoup à faire. Il m'aide beaucoup. Il aide sa mère beaucoup. Fait, tu sais, j'aime attendre qu'il sent mieux, qu'il y a plus de temps, tu sais. Moi, je sais jamais pressé. Je sais que si j'y demande, il m'apporte, mais tu sais. Il est tellement bon avec moi. Quand il est capable de se reposer fin de semaine, j'aime ça, il laisse reposer, tu sais. Mais là, en fin de semaine, qui s'en vient, on est supposé d'y aller checker. Je veux une copie du clé de porte en avant. Avant, je sortais jamais tout seul, mais là, j'ai une amie, Mélanie, puis on parle de peut-être vouloir faire des sorties quand elle vient voir. Fait que j'aimerais. Parce que normalement, je sors jamais de la maison. Pas sans Eric ou Christophe. Fait que eux autres, il y a les clés. Mais là, s'ils sont pas ici, puis je fais une sortie avec mon ami, mais. Tu sais, j'ai la clé pour l'appartement intérieur parce que le propriétaire a changé qu'il y en a. C'est ça la vérité. Puis, il y avait deux clés pour les portes extérieures. Puis, vu que moi, je sors jamais sans les gars, je les ai laissés à eux autres. Mais c'est drôle, hein, comment que la vie peut changer. Parce qu'avant, jamais j'aurais sorti, tu sais. Ouais, ça sent bien, pas pire. Ceux-là sont secs, faut qu'on va aller mettre une deuxième couche sur les petits fleurs. Fait que c'est ça, là. Ça fait drôle, Eric est resté surpris quand j'ai dit, tu sais, que j'envisionnais faire des sorties puis des affaires. On n'est pas habitué à ça, tu sais. Puis ça a ouvert pas mal ma vie. L'option des amis, l'option de vouloir sortir sans Eric, ça aurait jamais été possible. Mais elle m'a dit que ça ne dérange pas de me pousser dans la chaise roulante. Fait que, pas chaise roulante, mais chaise transport. Là. Fait que ça va être fun. Ça va être vraiment cool. Je sais pas si on. Je pense pas qu'on va faire ça cette semaine parce que je me sens pas prêt encore, mais ça sent bien, tu sais. C'est tout des progrès puis des étapes faut que je fasse. Mais, tu sais, c'est fun que je sais que j'ai une amie, que je peux partager des sorties, qu'on partage la même passion parce qu'elle aime colorier aussi. Fait que c'est vraiment fun. C'est aussi fun que, tu sais, nos visites de la semaine. Là, j'avais pris une pause, mais ça manque. J'ai peut-être pas full de stock à vous dire, mais tu sais, j'aime nos visites, ma petite color and chat. Fait que tu sais, c'est quelque chose que moi j'aimais. Puis que j'aimerais essayer de refaire. Je garantis rien, mais tu sais, je sais que vous m'avez dit que vous comprenez que je peux pas filmer autant et tout. Puis j'apprécie ça, tu sais. Là, je commence à penser à New World. Je sais pas qu'est-ce que je vais acheter pour mon gars. J'ai demandé qu'il me fasse une liste parce qu'avec lui, on sait jamais. Puis tu sais, quand nos enfants sont adultes, c'est plus dur, je trouve. Trouves-tu ça? C'est pour ceux qui ont des enfants plus vieux. Je trouve que c'était plus facile quand il était jeune, tu sais. Il disait, ah, tel jeu, il parlait de qu'est-ce qu'il aimerait et tout. Mais là, on dirait, en adulte, ils font plus ça. Parce qu'ils sont capables de prendre leurs affaires eux-mêmes. Fait qu'ils regardent plus ça. Fait que là, tu sais plus qu'est-ce qu'il veut. Puis, tu sais, oui, OK, je peux lui donner une carte avec une carte crédit prépayée ou quelque chose, mais j'aime ça mettre des cadeaux en sous l'arbre. Fait que, c'est ça. Fait qu'il est supposé me faire sa liste bientôt, là. Parce que moi, je suis genre, j'aime ça magasiner d'avance. Fait que, je suis sur le point de commencer, là. Là, je pensais qu'est-ce que je vais acheter pour Eric aussi, parce que j'ai aucune idée. On va essayer de mettre les deux fleurs. OK. Fait que là, c'est ça. Là, je suis en train de regarder tout ça.
Eric, c'est pas évident non plus, mais lui, je pense que je vais y pogner une carte pour Steam ou quelque chose comme ça. Il peut acheter d'autres jeux de survie. Il est dans un mode vraiment où ce qu'il joue que à ça. Là. C'est vraiment fun. Je suis content qu'il ait trouvé quelque chose. Domaine qui aime beaucoup jouer. Puis là, tous les vendredis, il joue avec ses chums là-dessus. C'est vraiment cool. Vendredi, j'ai parlé à un ami, un nouveau ami en ligne. On a colorié puis on a jasé. C'était vraiment le fun, là. Je mentionne pas son nom parce que j'avais pas pensé demander si ça y dérangeait si je mentionne c'est qui, mais tout ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'on va refaire ça parce que c'était vraiment le fun, là. Vraiment, c'était un plaisir. C'est toujours fun quand on peut jaser avec du monde, puis on partage la même passion. Tu sais, vraiment, là. J'avais avancé mon colo, j'avais pas les feuilles de fête, j'ai toutes faites les feuilles. Puis j'avais commencé les fleurs tant qu'on jasait. Puis c'était super, là. J'ai adoré ça. Je pense qu'elle aussi, elle aimait ça. Elle m'a dit qu'elle aimait ça, fait que c'était vraiment fun. Puis là, samedi, j'ai fait beaucoup de mystères. J'ai eu du fun. J'ai eu un nouveau livre de mystères. Avec, il y a un chat dessus, ça s'appelle... C'est quoi le nom? Sans mystère inédit ou quelque chose. Sans nouveau coloriage mystère, je pense. Mais là, il est dans ma pile de colos terminés. Fait que je peux pas vraiment voir le nom. Mais je pourrais tout vider le panier pour le trouver. Mais honnêtement, ça me tente pas tout de suite. Mais... c'était pris sur Amazon. Puis c'était fun. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvés. C'est comme j'ai découvert les cercles magiques. J'en ai deux de fait que je connaissais pas ça. Puis j'ai fait un échange avec les couleurs de Tuki. Elle est venue vendredi, pas cette semaine, l'autre d'avant. On a eu une belle visite. On a jasé. On a fait un échange. J'ai vendu quelques livres. C'était tellement le fun de l'avoir, de la visite d'elle. On ne peut pas se voir souvent parce qu'elle travaille beaucoup. Mais elle avait ce livre-là, puis on a fait un échange. Puis j'ai testé, puis j'adore. J'adore les cercles magiques. Tellement qu'il y en a une de bébés animaux sur Amazon que j'ai mis sur ma liste parce que j'ai l'intention de le prendre. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y a Disney, Mickey, Donald et Co, je pense que ça s'appelle, sur Archambault. Puis vu que je vais faire une commande, je vais peut-être checker pour la commander en même temps que Love Stories puis Looney Tunes tombe toi. Tu vas voir, je fais beaucoup. Je sais que pour ceux qui n'aiment pas les mystères, c'est plate de m'entendre parler de ça. Je suis désolée, là. Mais j'ai tellement du plaisir à faire ça, là. Que je sais pas. Tu sais, je sais. Sérieux, je pense que si j'aurais découvert ça, avant de colorier colo normal, je le ferais pas. Je l'aurais jamais colorié normal. Pas que je regrette, parce qu'il y a quand même des affaires que j'aime faire. C'est comme ça, j'ai du fun à faire ça à chaque fois. J'ai misère qu'à aller dans les livres de Coralina, mais à chaque fois que j'y vais dedans, là, c'est toujours un plaisir. Comme j'aimerais, il y en a une, c'est un petit gâteau, là, un cupcake, là. Dans son Imaginary Friends, parce que je l'ai eu. J'ai juste pas filmé que je l'ai su, OK? Mais je l'ai reçu, puis j'aimerais essayer de faire ça. Tester le papier avec mes airbrushes puis mes intenses. Je vais peut-être essayer de faire ça le mois prochain, vu que c'est ma fête le 12 novembre. Fait que un petit gâteau pour mon fête, ça serait, tu sais, de le faire. J'ai aussi recommencé à faire des marque-pages une par mois avec EasyArt. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus ça. Fait que je suis hyper content de recommencer ça. On en a fait une mois passé. Fait que il va être dans... Ben, pas mon passé, on est encore en octobre. C'est au moins ici. On a fait une ensemble. J'ai eu du fun à le faire. Là, on a déjà planifié celle pour novembre. Fait que... Make the bun commence. Je vais commencer celle-là en premier. J'ai toujours du fun à faire ça. Je vais attendre pour la plastifier parce que j'aime ça en plastifier un coup à fouet. Comme ça, je gaspille pas toutes les pochettes. Parce que, tu sais, quand tu plastifies, ben, peut-être tu sais pas, mais quand tu plastifies, il faut que tu mettes ça dans
une espèce d'enveloppe. C'est deux feuilles de plastique comme collées ensemble. Puis, ils disent que tu peux pas le couper. Fait que j'ai jamais coupé un. Fait que j'aime autant attendre. Je pense que c'est 3 ou 4 de large qui fit. Fait que j'y plastifierai, mais que j'en ai plusieurs de fait. Là, j'en ai 2, tu vas voir. Pourquoi je te montre ça? Mais que je filme mes colos terminés. Je sais pas si je vais filmer aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de finir ça, mais là, je veux retourner dans mon Mr. Strump. Fait que je sais pas. Parce que lui, il reste les fleurs, fenêtres, puis le fond. Quelques petits détails à Morandi, que finalement, j'adore. Les Morandi. On prenait de ce qu'il peut pas. On fait ça, comme ça. Au début, je les aimais pas, mais j'ai vu leur beauté. C'est quand les marque-pages sont tellement petits. Puis, ça te permet de faire des petits détails, là. J'ai adoré pour ça. Fait que moi, je pense que c'est aussi un futur achat. J'ai pas fait un petit mou. J'ai fait un petit mou, quelques collants. Mais à partir de ça, c'est pas grand chose comme ça. J'ai commandé d'autres Posca parce que les miennes étaient mortes. Mais là, mon problème, c'est que j'ai besoin plus de PC1MR. Un embout comme ça. Fait que si tu en connais d'autres que le Posca, parce que le kit de 3 sur Amazon, tu peux juste les acheter à... Tu peux en acheter une, mais il peut rien qu'arriver comme en novembre, décembre. Fait que moi, j'ai besoin de trouver que je peux acheter ça en ligne, tu sais, ou une autre option sur Amazon, quelque chose. Fait que si tu en as, tu connais, laisse-moi les savoir. Parce que là, je cherche des options, parce que j'en passe, là. Je les mange quasiment, là, on va se dire. Là. À force de faire beaucoup de mystères, tu sais, les lignes noires dans les Disney et tout, ça passe vite. C'est comme, j'ai essayé celle-là. Ça, c'est la RTX. Mais je trouve que j'aime pas faire mes lignes avec, le contrôle est pas autant. Moi, je commande des kits, il y a les 3 parce que dedans, il y a... Le 3M puis le 1MR. Moi, qu'est-ce que je fais pour les gros lignes? Je fais le contour avec ça, puis je remplis avec le 3M. Le 1M, j'aime moins ça pour faire mes lignes. T'sais, à la limite, je pourrais, mais je cherche des options. J'aime les stylos peinture pour ça, acrylique. Fait que si tu as des suggestions pour ceux qui font de la mystère, j'apprécierais ça. Sinon, mais je vais continuer à commander le kit de 3, mais je prends pas le 1M, faut que, quasiment, fait que je trouve que c'est comme du gaspillage de 2 crayons à chaque fois, tu sais. Puis le 3M, il passe bien moins vite que le 1MR, fait que... Puis oui, je sais qu'il en vend dans l'unité chez Dessert, mais moi, il est 45 minutes de chemin de chez nous. Fait que, idéalement, j'aimerais le trouver en ligne, puis je veux pas payer full de transport non plus. Juste pour un couple de crayons. S'il faut, je vais le faire, mais je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres options, Timu, Chine, je sais pas, que vous connaissez. Fait que je vous le demande pour voir. Ça filme-tu? Parce que là, avec mon livre placé comme calé, je vois même pas. OK, on filme, on est correct. Imagine, je check puis filme à bas. Tout le temps que je vous parlais, j'aurais parlé moi-même, tu sais, tout seul. Ça aurait été pas drôle, mais ça aurait été drôle. Ah, je te dis. Non, j'avais hâte. Je voulais filmer vendredi passé, mais Eric ne filait pas. Il sentait pas bien. Puis moi, tu sais. Lui, ça ne lui dérange pas, mais c'est moi. J'aime pas filmer quand quelqu'un est là. Fait que là, c'est que mon gars, il est couché. Fait que j'en profite pour filmer tant que. Il n'est pas debout, mais je pense que mes colos terminés, je vais les filmer demain. Parce que j'ai un feeling que je vais finir au moins une mystère aujourd'hui. Lui, je sais pas si je vais le finir, mais ça me laisse l'option aussi de décider si je vais le filmer ou non. Finir ou non.
Je vais commander les médicaments tantôt, mais quand je vais finir cette vidéo-là, puis la faire livrer, en espérant qu'il n'y a pas de frère, mais ça... On sait si ça n'est pas supposé, mais on va voir. C'est là, juste une assurance en pétant, puis après ça, le reste du mois, c'est gratuit. Mais là, c'est 5 semaines, c'est au moins 7. Fait que ça donne, j'ai fini certains médicaments avant que le mois termine. Fait que c'est bizarre. L'assurance de la shop devrait embarquer pour mon mari. On a honte, c'est quand même une bonne assurance, ça. Fait que... Tu sais, quand tu changes de job, faut que tu travailles comme un certain nombre de mois avant qu'il t'embarque. Fait que... C'est ça. Mais ça va être le fun quand tout revient comme normal, là. À ce niveau-là. On a eu beaucoup de changements avec tout ce qui se passe, là, tu sais. Fait que tout est en train de se placer. Tout est en train de revenir comme normal, en guillemets, tu sais. Je te dis. Fait que là, mon fond, je vais le faire au White Nights. Mon aquarelle White Nights, là. Ça va être un fond de nuit, je pense. Et je voulais finir mes fleurs. Ce papillon va être sombre, je pense. Je vais le faire la même couleur que les fleurs, mais je suis pas sûre. Je sais que je veux aller avec des morandis dans mes fleurs, faire une coupe de détails, probablement. Faut que je finisse le bois. On va regarder ça. Parce que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, pour notre petite color chat. On va faire... reculer. Oh. Fait que tu vois, ça serait comme ça. Ça sent bien, je suis content avec qu'est-ce que ça donne. C'est creepy un petit peu parce que c'est quand même un fil noyé. Les étoiles, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Fait que je check ça. Mais je suis vraiment content à date avec qu'est-ce que ça donne pour ça. Je pense que peut-être tantôt, je vais faire un petit peu de mystère, mais peut-être tantôt, je vais essayer de la finir, lui. Parce que ça me prendrait pas beaucoup de temps, peut-être une heure ou deux. Puis ça serait fait. Comme ça, je peux filmer mes colos terminés, puis elle serait dedans. Peut-être. On verra. Je suis moins fatiguée. Fait que ça, c'est un bon signe. Fait que je voulais juste vous partager un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Fait que n'hésite pas à me laisser savoir dans les commentaires. Tu colores quoi? Qu'est-ce que tu fais de bon? Tout ça, tu sais, même si j'écris pas beaucoup en dessous, je les lis tous mes commentaires. Fait que là-dessus, moi, je vous dis merci beaucoup d'être venu passer ce moment-là avec moi. J'attends avec impatience lire vos commentaires. Et je te dis bye-bye à la prochaine vidéo.